Ça y est, ils arrivent. Ça y est, ils arrivent. C'est qui? C'est Papy et Mamie. Alors ouais, petite précision, on voit pas beaucoup mon papa dans la vidéo malheureusement et pas du tout son épouse parce qu'elle préfère ne pas apparaître dans les vidéos, donc ce qu'on respecte. Mais du coup, ça a été un petit peu compliqué pour filmer et voilà, parce que c'est toujours comme ça quand il y a quelqu'un qui veut pas trop apparaître, c'est beaucoup plus compliqué pour nous parce que du coup, on filme beaucoup moins et voilà. Donc c'est comme ça. Du coup, on les a récupérés à l'aéroport de Cancun et de là, on a pris 2 jours avec mon papa et son épouse du coup à l'hôtel à Cancun pour pas faire la route d'un coup. Et en même temps pour qu'ils puissent se reposer un petit peu vu le voyage qu'ils venaient de faire pour venir. Et donc on est resté une journée et demie, on va dire, sur Cancun, 2 nuits. Et après, bon, on a repris la route vers le ranch pour ensuite aller fêter mon anniversaire. Donc je vous montre ça en vidéo. Non, il a pas fait. Il fait des blagues. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Vas-y, tu peux, Pouli. C'est pour toi. Va. On va pouvoir. Non, c'est lui. On va sculpter le bois. Voilà, ça où ? Tu vas lui donner ? Il est trop beau. Ah, j'ai hâte de voir ce que c'est. Ça, ça, dis-moi, ça va avec. Des ustensiles pour travailler le bois. C'est trop bien. Hein. C'est cool. Alors, tu sais ce que c'est ? Des autres huiles. Non, non. Oh, le concombre millénium. Ça, c'est cool. Non, donne-le à papa. Trop bien, on va t'aider, Steven. D'accord. Vous allez faire avec moi? Non. Louis, on vient le donner à papa. C'est quoi, en fait? Un autre Lego Star Wars. Non. Waouh. Je sais qu'est-ce que c'est. Moi, je pense que c'est un Lego. Yeah. C'est un Lego. Que te dise. Ah, c'est pour mettre des lumières dans. Oui, c'est dans ça. Dans le vaisseau, cool. Dans la pièce cinéma, ça va être trop beau. Merci. De rien. Ça va, ma puce? Oui! Il est beau ce coucher de soleil, hein? Oui! On arrive pile poil au bon moment. T'as passé une belle journée? Oui, une super belle journée! Pourquoi? Parce que c'était l'anniversaire de Pouni! Je suis pas là! Qui est-ce qui veut aller à la piscine? Ah! Moi! Louison, tu veux aller à la piscine? Oui. Louise, tu vas aller à la piscine? Non, on va attendre un peu, hein.
Allez, on va se préparer. Ok, mais j'ai pas ma sonde, comment je fais? On va trouver une solution. D'accord? On va déjà on va essayer de la chercher et si pas, ben, on trouvera une solution. Ok? Mais Fabien, là? On n'est pas bien, là. C'est mieux que les mauvaises nouvelles qui se passent en ce moment dans le monde. Mais voilà. On a appris une petite mauvaise nouvelle de mon papa. Ils préfèrent rentrer par sécurité parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir rentrer. Donc là, ils repartent dans 2 jours. Donc ils écourtent de 15 jours quasiment leur voyage. Donc c'est pas la super bonne ambiance. Mais d'un côté, on est. On l'accepte. Comme dit Audrey, on n'est pas bien là. Et on accepte chacun ses choix. Hein, donc voilà. Regardez-moi ça. Mirador. Mirador. 2, 3. Ouais. Ok, bien. C'est pas pour jouer. Allez. 1, 2, 3. Vas-y. Allez, saute. Allez. Saute. Allez, 2, 3. Allez. Hop. Bravo. Bravo. On va essayer là. Allez. Et coucou les compagnons. Eh ben, journée un peu spéciale. On est samedi. On a filmé un petit peu cette semaine, mais c'est vrai que du moment on n'a pas trop parlé. Comme je vous disais, jeudi, j'avais rendez-vous avec Louison. À Valladolid en fait pour pouvoir voir son... Non, je crois que je vous l'ai juste dit sur Instagram, je ne voulais pas être ici. On avait le rendez-vous de suivi avec l'orthopédiste pédiatrique de Louison, du coup pour le suivi de la marche. C'était très rassurant, lui il voit une vraie évolution en termes de l'élasticité avec les élastiques, avec les... Pardon, avec les exercices qu'on fait quotidiennement du coup depuis maintenant décembre, début décembre. Donc c'est très très positif et vraiment encourageant. Donc là on a rendez-vous, on se donne 2 mois encore. Et on a rendez-vous dans 4 mois pour refaire un suivi. D'ici 2 mois on refait le point. Et de toute façon il est dispo par WhatsApp. Donc en fait je lui envoie régulièrement des vidéos. Là faut que j'en ai pris une hier. Il faut que je lui envoie pour qu'il puisse voir lui aussi comment il marche. Parce que Louison fait vraiment le timide quand on est là-bas. Et c'est très 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 compliqué de le faire bouger d'un iota. Mais bon. Voilà, après il reste cool, il se laisse manipuler les jambes, les pieds pour pouvoir voir au niveau de la flexibilité et tout ça. Donc ça lui a permis de voir qu'il y avait quand même une nette évolution et qu'elle était très positive. Donc ça c'est vraiment vraiment encourageant. On continue dans cette lignée là et c'est vrai que nous aussi on se rend compte qu'il marche mieux. Donc voilà, bien content à ce niveau là. Moi j'ai lavé du linge que j'avais laissé dans ma buanderie hier. Donc là je vais aller l'étendre, les draps sont quasiment secs. Je pense que on se posera peut-être un petit peu tout à l'heure pour vous expliquer rapidement, sans doute plus Sébastien, un petit peu finalement ben, la semaine et comment on sent par rapport à tout ça. Voilà, on est bien conscient qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le monde et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de. C'est pas. L'idée, c'est pas d'apporter un jugement ou un avis sur le sujet, hein, quel qu'il soit. Mais voilà, juste continuer à vous partager un petit peu ce qu'il en est ici. Bon, on est samedi. Demain matin, mon papa, il y a une navette qui vient le chercher avec son épouse à 7h45 du matin. Donc aujourd'hui, j'avais pas vraiment le moral de faire le montage vidéo. Donc je ferai certainement demain. Et du coup, la vidéo sera publiée en décalé. Donc voilà, là on va aller semer un pamplemoussier pour que chacun de la famille a son pamplemoussier. Tu vois rien? Ah, bah papa. Ah, bonjour. On va aller planter. On va planter. On va planter ça. Allez, allez, c'est parti. T'as essayé d'enfoncer pour voir si ça va profond? S'il n'y a pas une grosse pierre? Non. Bon, c'est bon, je pense.
caillou, hein. Bon les compagnons, on est dimanche fin de journée, je suis sur le montage vidéo. Je vous avoue que j'ai pas super bien vécu cette journée avec le départ de mon papa ce matin. Je suis pas mal inquiet pour vous tous qui êtes en Europe. On sait pas trop ce qui va se passer. Je sais pas dans quel état vous êtes en ce moment en Europe, mais d'ici avec les médias ça fait peur. Et de voir mon papa repartir là-dedans au lieu de rester ici, de voir ce qui va se passer, ça me rend un peu fou en fait. Enfin, un peu pas fou, triste. Et enfin, j'ai peur quoi en fait. Donc voilà. C'est pas la joie, c'est pas évident. On espère, je suppose tout comme vous, que ça va bien se terminer, que ça va vite se terminer, que ça va pas empirer toute cette situation la semaine prochaine. Donc l'avenir nous le dira. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez nous soutenir comme d'habitude, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, je vous dis à demain parce que les vlogs commencent demain. À demain les compagnons et j'espère avec des bonnes nouvelles pour les prochaines heures. Voilà, bisous.